Nous ne sommes certainement pas à l'heure du bilan des actions. Aujourd'hui, notre fierté est de présenter 722 secouristes qui ont désormais pour armes de l'eau, des tuyaux, pour ne citer que ces matériels, et leur savoir technique pour porter secours à autrui. Ce programme de resocialisation, monsieur le ministre d'État, unique en son genre, a été introduit par l'ADDR pour aider l'ex-combattant à réintégrer dans les meilleures conditions la société et sa communauté. L'objectif recherché est d'en faire un citoyen normal, respectueux, qui ne fait pas peur et qui n'est pas l'objet de stigmatisation. Enfin, tu viens faire quitter ici. Calmez-vous. Tiens, non pas en versant de l'eau, mais par l'étouffement. Au commandement, en avant. À tout pas. Halte. Au centre hospitalier le plus grand. Alerté, une équipe de pompes. Pour ce sauvetage, les pompiers opèrent en toute sécurité grâce à un équipement spécial appelé l'eau de sauvetage et de protection contre les chutes. Et pour faciliter la manœuvre, ils se servent de la chèvre d'un sauveteur équipé d'un harnais cuissard. L'un des sauveteurs équipé d'un harnais. Justement, justement, c'est pas pour de l'argent, nous sommes bien pour ça, chaque fin de mois. Donc calmez-vous. Voilà. Bon, d'abord, pour préparer son retrait, coupez le. Procéder au dégagement de l'itinéraire. Manœuvre. Le perdement en vigueur, les sauveteurs se relaient sur l'appareil. Pour ce qui est du feu de brousse, vous noterez aussi l'utilisation de, pour l'instant, de moyens modernes. Halt! Retracé! Donne les consignes aux porte-lance et se retire pour fumer continue. Comme vous pouvez constater, les pompiers n'ont pas peur de la fumée. Ce que j'ai aimé cette image où ils étaient armés de kalach et maintenant ils sont armés que d'eau. Chers parents, croyez-moi, ce n'est pas n'importe quel métier. C'est un métier noble que d'avoir à travailler pour sauver des vies. Au nom du directeur de l'Office de la protection civile, la mise à terre. Né le 26 janvier. Ça va faire.
dispositions préparatoires pour le défilé. À gauche. Gauche. Aussi le sentiment de qui compose le chant d'honneur. Okay.